Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'infatigable 147 qui vous parle et c'est l'épisode 2 des bases de la survie sur Minecraft. Donc voilà, et j'ai perdu mes planches en bois, toutes, ainsi que ma pierre. Je vais pas vous dire pourquoi, c'est un secret. Donc voilà, je suis toujours sur le même monde, même si on ne dirait pas. Donc vu que j'ai perdu tout mon bois, ben on va recouper du bois. Voilà. Dans l'épisode 1, je vous avais déjà embêté avec ça, mais voilà, il y a eu un imprévu. Et voilà, on recoupe du bois. Bon, c'est pas grave, couper du bois, ça fait, c'est bien. Hein. On va, voilà, c'est bien. Voilà, on va faire une minute de silence pour ce pauvre arbre que j'ai tué. Donc voilà, une minute de silence, en fait, pour moi, c'est 10 secondes de silence. On devra refaire 10 secondes de silence pour ce pauvre arbre. Voilà. 12, il me semble que c'est suffisant. Donc voilà, donc on se refait des planches. Hein. Oui, des planches. Voilà, des planches en sapin. Donc voilà, on en a déjà pas mal. Et l'épisode 2... Ah ouais, y a eu un bruit là. J'ai eu le temps de me confectionner un lit en quelques secondes parce que j'ai trouvé du manteau. Alors, là, vous voyez mieux. Donc voilà, donc... un établi. Il me semble que j'en avais déjà un. Ah non, en fait, en fait, non, j'avais pas d'établi. Alors, ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi je suis aussi excitée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Pourtant, j'ai eu que quelques secondes. Hein. Bon, bref, alors. Je vais mettre l'établi dans mon inventaire et on va construire une petite maison. Voilà. Donc voilà, c'est un petit et une petite maison. Donc voilà, donc. Mais. Oh, ah oui, c'est vrai, je suis pas en mode créatif. J'essaie de voler, mais je me disais, pourquoi t'arrives pas à voler? Donc voilà, c'est pour ça en fait. Hein. Non, ça m'arrive de jouer en mode créatif. Hein. D'ailleurs, en fait, c'est que c'est... Ah mais oui, je recommence encore à faire ça. Donc, parce que je joue plus souvent en mode créatif qu'en mode... Ah mais, j'arrête pas de me... Je joue plus souvent en mode créatif qu'en mode survie. Et c'est que de... En fait, c'est pratiquement que dans mes vidéos que je joue en mode survie. Et en fait, là, pendant que je vais construire la maison, je vais vous raconter ma petite histoire. Oui, parce que en fait, j'ai une histoire. Je suis l'infatigable 147 et j'ai eu une belle vie sur Minecraft. Donc, je vais vous dire c'est laquelle. Donc, autrefois, j'étais un pirate. Ouais. J'étais un pirate et j'étais capitaine du bateau. Et j'étais un pirate légendaire. D'ailleurs, je le suis toujours. Encore plus légendaire qu'avant. Donc voilà, j'étais un pirate légendaire, respecté par tout le pays, parce que en fait autrefois, vers les années Louis XIV, on va dire, enfin vers cette époque-là, sur Minecraft, vers l'époque Louis XIV, en fait il y a eu un truc, voilà. Qui a été hyper bien. Ouais, c'était trop bien. Donc en fait, ce truc hyper bien, comme je le dis, c'est. Mais pourquoi je cherche dans mon inventaire en fait? Attendez, je regarde un petit truc vite fait. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu chercher un truc inutile à chercher. Donc voilà, donc je fais le toit. Donc je vous montre un petit peu comment construire une petite maison. En même temps sur deux arbres. Donc voilà. J'oublie que j'ai une hache à chaque fois. C'est beaucoup plus rapide avec une hache. Donc voilà, c'est ça la maison. Voilà, ça c'est en bois brut. Alors. Que faire d'autre? Alors, je vais prendre mon établi. Je vais le mettre à la place de cette hache.
Et je vais prendre cet établi et me faire une porte. Alors, où est-ce que c'est les portes? Attendez, mais c'est où la porte là? Et je veux la porte. Où est-ce que tu es? Porte. Ah, voilà. C'est ça. La porte. Symbole d'espoir et de vie. On va couper du bois pour 2 secondes. Hein. Voilà. Avec une hache, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, avec une hache, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est largement suffisant. Alors, je vais prendre ceci à la place de ceci. Et voilà, et me faire ça. Oh! Oh! Voilà. C'est quoi cette terreur totalement bête? Même si je ne suis pas bête. Mais c'est une erreur totalement bête. Donc voilà, j'avais oublié de vous raconter ma petite histoire. Hein. Désolée. Je sais pas si ça vous intéresse ma live, mais c'est pas grave. Alors voilà, nous avons posé le lit. Donc voilà, j'étais un pirate pas sanguinaire en fait. J'étais un pirate, j'étais le capitaine du bateau. J'étais un capitaine totalement légendaire. Tout le monde me craignait. J'étais un pirate espagnol et je le suis toujours parce que j'ai pas démissionné encore. Je suis pas assez vieux. Regardez-moi, cette maison n'est pas belle. Donc voilà, et en fait, je pillais des bateaux. J'étais sur la mer avec un bateau. Je pillais à chaque fois que je voyais un bateau, je le pillais. Et j'ai été très très riche et d'ailleurs j'ai pillé tellement que je suis toujours aussi riche en fait. J'ai gardé beaucoup d'argent. Enfin ouais, avec tous les bateaux que j'ai pillés, au final j'ai eu beaucoup d'argent. Donc voilà, je prends de la pierre, je vais vous dire pourquoi. Et voilà, donc en fait je me suis fait vraiment beaucoup d'argent, j'ai fait fortune. Mais et aussi en fait vous savez c'était un petit peu quand c'était la mer et que c'était vraiment que j'étais vraiment engouffré dans la mer et voilà et ben je pillais les villages et quand c'était près d'un port ben je devenais tout gentil, je faisais du commerce. Sauf qu'un jour je me suis fait attaquer par des pirates plus forts que moi, on s'est fait submerger, voilà. Et mon équipage est mort sauf moi. Je devins le seul survivant. Voilà. C'est triste. Et puis après, c'est pas fini. Hein. Parce que en fait, j'étais un pirate espagnol. Et j'étais parti pour un voyage de commerce. Oui, c'était un petit peu du commerce. Hein. Voilà. Normalement, je dois faire du commerce. Puisque en fait, mes Otsu n'étaient pas au courant que je pillais des bateaux. Pour eux, j'étais tout gentil. Alors. J'ai combien de pierres là? 22. Alors, je vais prendre mon établi et essayer de me faire un four. Oh, un four! Je trouve toujours pas comment on fait. C'est pourtant pas si compliqué, un four. C'est tout ce que je veux. Un four. Mais c'est pas possible, hein? Un four. Mais je veux un four. Je le veux, ce four. Je veux un four. Bon, bref. Imaginons que j'ai fait un four, que je l'ai posé là. Voilà. Et que je l'ai posé ici. Et donc, voilà. Donc, en gros, pour commencer Minecraft, voilà. Donc, vous suivez les conseils de l'épisode 1. Et pour l'épisode 2, vous construisez une toute petite maison comme ça. De quoi mettre un four ici. Un établi ici, un lit ici, un four ici et un coffre ici. C'est largement suffisant pour le commencement de Minecraft. Voilà. Donc, j'allais me coucher. Donc voilà, et en fait comme je le disais, mon bateau, mon grand bateau a coulé. Oh, il y a une petite cabane en bois là, perchée. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là-bas. Non, vous la voyez pas. Voilà, là vous la voyez. Ouais, là vous la voyez. On va pas les voir. Donc voilà, donc en fait, voilà, mon bateau a coulé.
tous mes collègues sont morts, on va dire collègues, hein, voilà. Ah ! Tous mes collègues sont morts, sauf moi, et je me suis écrasée sur la plage de Chine. Enfin, je sais pas s'il y avait vraiment une plage, je sais pas si en vrai il y a une plage en Chine, mais en tout cas, dans Minecraft, il y a une plage en Chine. Ah ! La nourriture, voilà, je l'ai prise. Et voilà, donc je me suis écrasée sur... Enfin, j'ai chuté sur la plage de Chine. Et du coup, j'ai été recueillie par des ninjas qui m'ont appris le kung-fu. Je suis devenue un grand ninja et je suis rentrée en Espagne. Parce que oui, j'étais un pirate espagnol. Et après, j'ai décidé de faire des vidéos pour que les gens deviennent des grands pirates ou ninjas que moi. Parce que du coup, je suis un petit peu un pirate ninja. Donc voilà, je vous ai raconté ma live. Je sais pas si ça vous intéresse en fait ma live. Bon bref. Et puis voilà. Donc en fait, imaginons que j'ai récolté assez de pierres. Même si j'ai récolté assez de pierres pour faire un lit. Pour faire un four. Donc en fait, imaginons que j'ai trouvé où se situait le four. Ah mais il est là en fait. J'ai un four. J'ai réussi. Donc voilà. Le four que tout le monde attendait. Oui, du four. Je vais faire cuire ma viande que je vais manger en hors vidéo. Donc voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait vos outils nécessaires, ben vous faites une maison comme ça et ce sera largement suffisant. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.